Bonjour à toutes et tous, Papy Gamer parmi vous, je vous retrouve aujourd'hui pour le Let's Play numéro 12 sur The Witcher 3 Wild Hunt, la chasse sauvage. Alors là, je vais charger une partie parce que je vais refaire des petits essais. 11, on était arrêté le 7, ok, voilà. Le contact du sorceleur à Velaine était un Espérons que le certain chargement Hendrick, va pas foirer. espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission, collecter des informations sur Ciri. Hélas, Geralt arriva trop tard. La chasse sauvage avait déjà fondu sur Hendrick. De l'espion, il ne restait plus que le corps, mais les cavaliers spectraux n'avaient pas découvert ses notes. Par celle-ci, le sorceleur apprit que Ciri avait séjourné chez un chef de guerre local, le baron sanglant. Et qu'elle s'était querellée avec une sorcière. Voilà, donc on était arrêté là. J'avais fait quelques essais parce que j'ai eu la réponse pour Action Militaris du support technique. Bon, ils m'ont fait faire des manips qui me permettent de l'utiliser, bien qu'il ne se. Comment dire? Il ne se lance pas à chaque fois que je veux. Si je le mets en automatique au démarrage de Windows, il se lance. Mais si j'ai le malheur de le fermer, je veux le réouvrir, impossible. Faut redémarrer l'ordinateur. Donc c'est un peu chiant. Mais ce qui est chiant aussi, c'est que j'ai refait des essais hier d'enregistrement avec, de capture. Et malheureusement, j'ai un décalage avec le son et l'image des saccades. Bon, ben, je suis vraiment déçu par Action Mirelis, surtout que je l'ai payé, quoi. Donc, bah écoutez, là on va se reposer un petit peu. Reprendre un peu de santé. Non, on peut pas faire ça maintenant. Ok, il doit y avoir des ennemis dans le coin. On va manger un peu. Alors voilà, bah j'ai repris frappe, ça fonctionne bien, donc on va pas s'embêter quoi. Voyageurs, attention aux pirates, leurs cons sont autant de pustules mortelles constellant la côte. Quelqu'un qui vous veut du bien. Ok, mon gars. Par là, il n'y a rien. Mais bon, je suis bien content de vous retrouver. Il y a un crâne de. Regardez, une espèce de bestiole. Être endommagé par l'eau. Suivre cette quête. Niveau conseiller 10, il est arrivé en. Ah oui, je suis niveau 5, il considère que je suis capable de d'attaquer cette quête-là. Ok. Bûcher funéraire. Trésor englouti. Lieu multiple, ok. Bon, en fin de compte, il faut peut-être que j'aille lire la lettre. Bon, moi je suis pas loin de la surcharge. La lettre endommagée. Deux bandits de grand chemin
sais pas si je l'ai lu. D'un seul dameur, lettre détrempée, note d'espion. Note écrite à la hâte. Je vous laisse lire. Ils sont censés crever. Beaucoup juste, c'était meilleur. Moi, je pense que l'autre, ça doit faire partie des différents lieux des chasses au trésor. Quête secondaire. Trouver et brûler les corps qui gisent dans les fosses du champ de bataille. Ouais, ça, j'en suis loin, c'est plus par là. Ça, on la fera. On la fera. Donc, s'il y a des bandits, ils sont où? Je suis le sorceleur. Voilà, étripé mon gars. Bon, ils veulent du bien, eux. Oui. Zone libérée, la population est revenue, couronne 50, c'est pas mal ça. Ok, j'allais dire. Est brûlé, il reste plus que ça deux quoi. Ah, je suis un peu lourd. Hein. Ça c'est pas un coffre. Objet utilisable, encore une lettre. C'est pourquoi? Que vais-vous à vendre, jeune homme? Vous avez des articles intéressants? Bon, peut-être pouvoir y vendre. Vous pouvez pas vendre cet objet. Ok. On peut pas démonter, faire du commerce ou de l'alchimie. Tiens, si j'essayais un peu, rêve de dragon. Fabriquer un objet. Posséder déjà cet objet. Huile contre les bêtes. On va peut-être me débarrasser d'ingrédients. Non, c'est pas les ingrédients qui sont lourds. Hein.
le commerce. Je peux pas lui. Ok, je peux lui vendre que des trucs. Nourriture, régénère vitalité. Ok. Sinon, tout le restant, je ne peux pas lui vendre. Et puis, ce que je pourrais lui vendre, ça pèse rien. Eh non, ça pèse rien. Ok, bon ben. Bon vent. J'aurais préféré rencontrer un marchand, je vous le cache pas. Bon ben, je vais être obligé de me dégarnir. Hein. On va voir. Alors, vous possédez une huile pour lame dans votre inventaire. Pour l'utiliser, appliquez là sur votre épée. Ah, ok. D'accord. C'est objet utilisable. Ok, les onglets comme ça. Sélectionnez une huile dans elle et appuyez sur A pour la choisir. Ensuite, choisissez l'épée. Ok. Alors, huile contre les bêtes. Appliquez cette huile sur une épée pour obtenir des effets supplémentaires en combat. Ouais, sur les bêtes, mais la durée est de combien? Choisissez l'épée. Ouais, ok. Il n'y a pas de durée. Enfin, il l'indique pas. Si quelqu'un le sait, il aura qu'à me le dire. Alors, contre les nécrophages. Ah bah, c'est les deux huiles que j'ai. Oh. Faire contre les bêtes, allez. Contre les bêtes, c'est l'épée en. C'est pas une nécrophage. Présent, votre épée infligera plus de dégâts aux adversaires vulnérables à cette huile. Ok. Prendre celle-là. La mettre à celle-là. Ok. Bon bah ok. Alors il parle pas de temps. Indication de temps d'utilisation d'effet. D'Ini, super amélioration à placer dans l'emplacement vide d'un élément équipement pour améliorer ses caractéristiques. Alors si je mets ça, ok, d'accord. Ok, bah je vais toujours le mettre là, sur mon armure. Ok, bah j'aurai toujours 2% du signe d'Ini comme je l'utilise. C'est pas mal. Bon, ça. Non, 147, 45. Je vais prendre des trucs qui me coûtent pas trop cher. Ça. Épée longue de Vélène, moins 19. Bon, celle-là, je vais la. Je vais la lâcher, fait 1,61 kg. Je vais la lâcher. Une pioche. Pas me battre à la pioche. Lâcher 61 sur 60. Ça c'est. Ça. 42.
Voilà, 58. Bon. Voilà. Oh bah non, je vais pas reprendre du poids supplémentaire. Faut pas pousser. Ah, j'aurais bien tombé sur un endroit là où. J'aurais un marchand quoi, et pas un herboriste. Nouveau marqueur, trésor caché. Ah, coûteuse. Ok. Quête. Ah ouais, voilà. C'est dans les chasses au trésor. Ouais, niveau conseiller 18. Ouais. Ok, bon bah ça on s'amusera à les faire. Mais bon, niveau 18, pour l'instant, on va y aller mollo quoi. Et je suis sûr que là-dessous, il y a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis les gars. On va attendre un petit peu. Mousse sanglante. Pour l'alchimie. On va reprendre un peu des forces. De l'eau de vinaine. Pas si ça m'est très utile. Bon, on mange un peu. Gargouiller là les noyeurs, et là y a personne là. Ok, c'est alchimie, c'est bien de se balader. Glyphe d'igné, ok. Ouais. Oh. Butez-le, dépouillez-le, balancez-le dans un fossé. Pendu. On va t'arracher la peau. Venez les gars. Venez les gars. Ah, ils étaient nombreux là. J'espère qu'ils vont pas repopper. Mais j'ai bien envie de me les faire. Regardez les gars.
toi tu me fais chier. Allez mon gars. Eh ben. Eh, ils étaient nombreux quand même. Eh. Pas venu pour rien, j'espère. Eh, je suis un peu lourd. Moi j'ai bien envie de, si je peux me téléporter quelque part là pour faire de la revente, parce que j'ai pas beaucoup de pognon et ouais, pas tout ce que je récupère. Bon, on a fait un bon massacre. C'est pas la tronçonneuse mais... Ouais, encore une quête. Bon, il y a quelqu'un là-bas, mais je vais plutôt aller voir sous la tente là s'il n'y a pas quelque chose. Et je suis sûr que tous les coffres là sont des quêtes là, c'est, ça serait bien dans les bateaux là, dans les carcasses. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas du tout. Bon, on va y voir là dans sous cette tente là s'il n'y a pas quelque chose. Je vais tourner voir l'autre qui était assis là-bas, mais que je fasse, que je libère du poids avant d'être non envoyé. Enflammé, non. Je n'aurais pas raté quelque chose d'utile. Bon, ils ont regretté de m'avoir fait chier. Par contre, là, c'est pas un marchand, lui, là-bas, quand même. Attendez. Est-ce que je peux méditer là? Ça m'étonnerait. Eh ouais. Eh oui, donc c'est... Hein? Bah, d'où il sort lui? Il est fêlé. C'est moi dormir, merde.
Marquis. Ouais. Non, mais attendez, c'est celui qui était assis là. Qui était assis là-bas. Et d'un seul coup, il s'est réveillé, il dit, oh le gars, il a tué tous mes copains, pas gentil. Ah non, pas beau, pas bon. Donc il a dit, bon, je vais aller là. Leur donner un... Je vais aller les venger. Hein. Vu qu'il a pas l'air solide, le gars, je vais en profiter, quoi. Bon, alors, moi ce que je vais faire, carte du monde, je vais mettre un marqueur là pour pouvoir y revenir plus tard. Ok. De marchands, baraques isolées, auberges croisées des chemins. Placer point. Ouais. Voyage rapide. Arbre du pendu, voyage rapide, est-ce que je peux? Ok, donc un parcours de truc de voyage, j'en ai vu un par là. Attendez, j'ai raté quelque chose, non? J'ai vu sur la carte truc de voyage là. Panneau de voyage dans le coin. Ah. Non? Ouais. Et pourtant. Ok, à lui on peut même pas le s'en servir. Oh merde. Celui-là, si je regarde mon inventaire, oh, 75. J'aurais voulu donc tout ça c'est du bateau chasse à sorcière, je vais y arriver, mais alors là il faudrait que je rencontre personne quoi. Sera que je pourrais retourner du côté de l'allée des pendus, mais là pas encore testé le cheval, est-ce qu'on a le droit de prendre
de monter à cheval quand même quand on est en surcharge. Ouais. Ok, puis on peut courir. D'accord. Donc. Vu qu'il y avait un village, quelque chose par là. Ça va peut-être vous sembler long la balade. Et là, je suis vraiment campement de bandits. On va essayer de les éviter. C'est là ma quête. Oh, tout doux, ma belle. Bon, la paysanne n'a pas l'air, lui. Non plus. 1, 2, 3. Oh. La vieille sorcière te voit. Ok, bon bah là. Je cherche la sorcière du village. Cherchez si ça vous chante. Moi, je sais rien. Sans Gabriel, méfiez-vous des ruelles. Armement automatique, tenu à une main. Tirez le premier pour avoir le dernier mot. Ah, je vais pouvoir lui en vendre, lui. Voyons ce que vous avez en magasin. Oh, il a que 296 pièces. Épée longue de Vélène, ça, bon, ça vaut rien. On va lui vendre. Oh, quand on voit au prix qu'il y a point de 106, alors que ça valait... Matraque, pélongue de Vélène. Bon, moi déjà ça va me réduire en poids. Pélongue de Vélène. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup de pièces. Alors j'aurais pu les démonter. L'autre jour j'en ai démonté. Mais pour l'instant on va prendre l'argent. De réparation, donc je les garde. Pélongue de Vélène, petite matraque. Ah, celle-là fait plus 5 par rapport à mon épée. C'est à vérifier. La masse, non, les masses ça m'intéresse pas. Moi. Ah, c'est bon, 47 sur 60 en poids. Ouais. Je vais ça, artisanat, réparer, retirer, amélioration, retirer des améliorations. Vous pouvez retirer des améliorations et des pierres runiques de vos objets ici. Cependant, n'oubliez pas qu'elles seront détruites durant l'opération. Ok. Donc là je fais ça, retirer amélioration,
Ça, jamais plus je peux la démonter. Je vais récupérer morceaux de cuir, tissu. Ok. Ok. Bon. Ça montre déjà comment ça se passe. Artisanat, qu'est-ce qu'il peut me faire? Bottes de cavalier. Alors, armurier 116, amateur, bottes de cavalier, bottes, objet magique, 18 armures, donc plus 6. Niveau requis 6, bon, bah, je le ferai plus tard. Alors, bottes de chasse, moins 4, niveau requis 1, ok. Pour fabriquer de la ficelle, non. Cuir traité, fil, non. Pour fabriquer du fil. Du fil à retordre peut-être, mais sinon. Schéma en manche, non. Mauvais artisan. Par contre, là, quand je vais tomber sur un artisan qu'il faut, peut-être pouvoir faire des armes. Alors, commerce. Bon ben écoutez, 45 sur 60, c'est pas mal. Et lui, je suis sûr que ce qu'il propose, les armes, c'est ce que je lui ai vendu. Voilà. Il n'a rien de plus costaud pour moi. Non. Alors. Vous pouvez me fabriquer quelque chose. Ah, tiens, on va voir. Je voudrais que vous me fabriquiez quelque chose. Alors, bon, bah non, c'est les bottes de cavalier. Ok. Merci, mon gars. Non. Parti, non. Adieu. Avant, on trouvait des chariots chargés de lard fumé et de saucisses et autres chariots. Non, c'est pas des chariots chargés de foin. Objets ont été améliorés. Ok. Vous cherchez les ennuis? Inutile. Ils vous trouveront tout seuls. Hein? 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 Amulette? Pierre de fiel? Carapace de tortue, peut-être. Que proposez-vous d'autre? Molaire de défunt, calcul rénaux, remède éprouvé pour temps éprouvant. Kit de réparation d'armes, bague en argent certidant, vous pouvez vendre. Ceci est très bon prix, ou le démonter. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, je vais lui acheter ça pour le démonter. Non, merci. Ok. Adieu. Oh. 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 Puis on rentre chez les gens, on veut ce qu'on veut, personne ne dit rien. Alors, ne mangez pas de chat, brave gens, ne mangez pas de chat, cela attire la malchance. Je vous laisse lire, hein. Ouais, je lis pour moi. Ouais, écoutez. Moi, je prends tout. Vous venez d'où? Moi, je prends tout. Voilà.
Nouvelle quête, contrat, la dame des bois. Sans aucun doute, elle était enceinte, mais ça n'a pas ému le spectre. On ne pourra pas gober ça. Vous cherchez quoi les neuf dans le vaste monde. Inutile. Ils vous trouveront tout seuls. Ok. J'ai pas besoin Puissent de les sortir. Dieux vous protéger. Grâce aux dieux, j'ai la santé. Et que je sache, je devrais le renvoyer chez la sorcière. C'est pas naturel d'être aussi feignant. Salutations. Bonjour, messire. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, voilà, je cherche la sorcière. J'aimerais voir la sorcière du village. Vous pourriez me dire où la trouver ? Moi, la sorcière, je m'approche pas d'elle. Faut voir ça avec mon homme. L'autre jour, il s'est coincé le dos. Il pouvait même plus se tenir droit. Il est revenu de chez la sorcière, frais comme un gardon. Où est-il ? Sûrement dans le jardin. Depuis qu'il est guéri, il est mou comme une chique. On a des bouches à nourrir, pourtant. C'est pas comme le bonhomme de Marianne. Lui, c'est un bon chef de famille. Paraît qu'il attrape même des radeaux pour ses enfants. Ok. Je parlerai qu'il me fonde. Je vais aller chasser. Tu dois faire quoi pour avoir une épée ? Des lingots. De l'eau. Une formule. De l'eau. Qu'est-ce que tu veux ? Des lingots. Ils se sont fait chier à bosser pour récupérer tout ça et je viens, je rentre. Wow. Je vole. Vous parliez d'une sorcière. J'aimerais... Vous avez mal entendu. Et vous vous êtes aventuré trop loin. Il n'y a qu'une poignée de masures ici. Vous devriez rejoindre la grande route. Merci pour votre amabilité. Hein ? Quelque chose se ménage quand même dans mon inventaire, c'est des tas de conneries. Là j'ai récupéré les bougies, je vois pas à quoi ça va servir. Bon. Ah, la situation va-t-elle s'arranger un jour? Vous désirez? Mieux vaut pas mettre les pieds à perchefoin. J'envoyais mon mari au ruisseau. Il attrapera peut-être quelque chose. Au secours ! Ouais. Pas faire de mal. Ils m'en diront pas plus. Ok. Bon, bah, sur ce, on continuera la quête.
Hein, parce que là, ça fait un moment que ça tourne. Je suis à 45, entre 45 et 50 minutes. Alors sur ce, vu qu'avec frappe, c'est assez lourd. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. On s'est bien baladé. On a fait une bonne boucherie avec les gaillards sur la plage. Voilà. Et sur ce, bah, je vous donne rendez-vous pour le Let's Play 13. Portez-vous bien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.